Bonjour, l'objet de cette leçon est d'apprendre à multiplier mentalement un nombre à trois chiffres par 11. Pour expliquer cette méthodologie, nous allons partir de l'exemple suivant et nous allons essayer de multiplier 326 par 11. Tout d'abord, nous devons mentalement faire la somme des deux premiers chiffres. Ici, 3 plus 2 est égal à 5. Ensuite, nous allons faire mentalement la somme des deux derniers chiffres. Ici, 2 plus 6 est égal à 8. Nous allons alors supprimer le deuxième chiffre du nombre que l'on cherche à multiplier, c'est-à-dire ici 2, et le remplacer par les deux chiffres trouvés précédemment, c'est-à-dire 5 et 8. Ainsi, le 2 est remplacé par le 5 et le 8, et nous trouvons le résultat 3586. Réutilisons cette méthode dans un deuxième exemple et multiplions cette fois-ci 418 par 11. La somme des deux premiers chiffres est égale à 5. La somme des deux derniers chiffres est égale à 9. Nous remplaçons le 1 de 418 par 5 et 9. Nous trouvons alors le résultat 4598. Faisons un troisième calcul et multiplions cette fois-ci 785 par 11. La somme des deux premiers chiffres est égale à 15. La somme des deux derniers chiffres est égale à 13. Nous appliquons alors toujours notre principe et remplaçons le chiffre intermédiaire, ici 8, par 15 et 13. Nous obtenons le chiffre suivant. Il nous faut alors reporter nos retenues sur la gauche. Le 1 s'ajoutera à 7 et donnera alors 8. Le 1 qui est ici s'ajoutera à 5 et donnera alors 6. Nous obtenons alors 8635. Réappliquons ce principe une dernière fois en multipliant 381 par 11. 8 plus 3 est égal à 11. 8 plus 1 est égal à 9. Nous remplaçons donc le 8, qui est le chiffre des dizaines, par 11 et 9, puis nous faisons passer notre retenue sur le chiffre de gauche. Le 3 se transforme alors en 4 et il nous reste à côté 1, 9, 1. Par conséquent, le résultat est égal à 4191. De la même manière, je vous propose de vous entraîner sur les calculs suivants. Je vous suggère d'appuyer sur la touche pause de la vidéo lorsque le calcul vous a été donné, afin de prendre le temps par vous-même d'effectuer mentalement ce calcul avant d'avoir la solution. 253 multiplié par 11 égale 2783. 415 multiplié par 11 égale 4565. 671 multiplié par 11 égale 7381. 182 multiplié par 11 égale 2002. 294 multiplié par 11 égale 3234. 623 multiplié par 11 égale 6853. 338 multiplié par 11 égale 3718. 246 multiplié par 11 égale 2706. 769 multiplié par 11 égale 8459.